Adler Amolien alias Mouvelet, c'est notre la gonsa n'a pas gardé là qui gagne 37 l'année sous au bat tête li commissaire Muscadin criblé en Bakatouche lundi 24 septembre 2024 dans une localité qui est Reynolds qui trouvait dans la commune Miragouane. Mais c'est aux trois qui étaient ensemble. Commissaire Muscadin arrêté de mettre dans dépôt l'effigie Adler Amolien. Selon commissaire Muscadin, Adler fait partie des bases qu'il a appelé Captain Emmanuel dans Grand Avin. Bien après commissaire Muscadin, fin fusier misé, bien famille, zami prend micro la presse pour dénoncer commissaire Muscadin. Il fait qu'on est non, mauvais lait pas bandit, mauvais lait pas fait partie des bases qu'il a appelé Captain Emmanuel Grand Avin. Madame mauvais lait parle tout. On pourra le faire nous entendre. Mais est-ce que c'est un erreur que commissaire Muscadin fait? En fin d'entendre, madame mauvais les cap parler après ça me pourra le faire nous entendre cause. Et quand c'est moi me dit c'est kidnappé, oui Marie-Mie. Marie me pourquoi j'aime faire un drôle dans la vie. Pourquoi j'aime moi on s'amène mais Marie mon jour non? Un jour Marie me pourquoi j'aime on s'amène. Muscadin dit Marie c'est kidnappé. M'a vive Marie me kidnappé, quand est-ce qui est à m'a vive? 10 ans il y a Marie. Si Marie m'a volé, m'a mis un mien, oui. 10 ans, oui. Les principes de ça, laisse à 6 ans, il dégaine. Les mains avec lui. 11 ans, nous parlons ensemble, là, oui. Les clés veillent avec moi. Son maman, ou papa, mien. Ma papa mourit, maman mourit. Marie m'a tellement gardé, m'a tant qu'on. On s'est chelé pour moi, oui. Je sais ce qui sont demandé. Pour mon Dieu, faire une justice, ma miscadé. Je connais pas quand je joue Marie encore. Je ne sais pas si je suis marié encore, mais je connais Muscadin à payer ça le fait, un jour qu'aujourd'hui. Parce que Muscadin est cassé pour moi. Il prend ça plus cher pour moi. Puis Muscadin, c'est moi qui ai détruit le déquité marié. Parce que je suis marié encore, je ne sais pas si je suis marié. Ma dette, c'est moi même sans papa. C'est marié qui est tout moi. Il prend ma dette, c'est moi. Il prend ma dette comme si c'était petit. Comment comprends-tu que Muscadin a fait comme commissaire? Oh, Muscadin a fait des choses bandit. Miskadin a dit la touye bandi, mais besoin n'est plus mal que bandi, oui. On moun l'a arrêté, on moun, même on connaît l'arrêté, on moun. Si on faut faire moun en parler, on mette la justice pour la pire peine, et pas détruire la vie moun comme ça. Parce que on connaît, si Miskadin a joué Marim non bagay, on connaît ta prend Marim, la mette l'on côté, mais pas tout la touye comme ça. Parce qu'on pas joué, d'ailleurs Miskadin pas la ge zam, il pas une zam nan me Marim. Quand zam Miskadin joué tout Marim nan. Quand les cobli dit comme les il t'a pas mettre point sous lui quand cobli joine non Marie moi elle prend me 50 dollars comme l'argent 50 dollars Marie me gagne même comme l'argent 1000 gonde gagne en vendredi me dépense 50 dollars me dit comme il prend me raconte combien jour la fait elle vient dit me chéri son bon manger oui même l'eau me soif pas ca mon son petit goût de l'eau ça touche me dit m'a bon 50 dollars il dit moi quitte 100 dollars dans mon ça va le faire me dit chéri bon Dieu montre moi comment pour me vivre parce que on va tourner on va pas faire en pile jour ma marine 50 dollars nan men mais ce qu'elle dit il joine et point la parle me sous lui quand cobli te gen nan men pour la mettre point les pour la mon nan mettre point pour pas pour gien comme pas pour gien l'argent mais ce qu'elle dit comme mais ce qu'elle dit ni je marine pour la mettre point faut mais ce qu'elle mettre preuve quand cobli joine pour la mettre point cobli te en sous lui a ça me te joine nan il te joine nan me connais pas justice mais me connais si mon Dieu a fait justice mais ce qu'elle a payé ça le faire parce que mais ce qu'elle détruit ma cache de nous, Miskadin détruit la vie. Parce que ma dépit n'a même sans papa. Marie qui m'a bagué, maman bagué, papa. Marie qui tout moué. 10 ans a fait n'a pas ses misés. 10 ans a passé misé. Rappelez-nous nos marques. Dire les Adler Amolien. Elle est papa, c'est lui tout. L'école, moi, c'est lui même manger. Il voulait me tourner pour quoi l'école. C'est lui faire que le connaît, dire les mamans là-dedans. Pour le voir, pour lui, pour payer l'école pour moi. Depuis que je connais maman avec Adem, je ne connais pas Baba Doll. Je ne vais jamais faire mon doll. Je garde mon coup, c'est petit. C'est comme si mon papa lui dit moi. Il aime bien nous faire ça. Je ne suis pas foutu de faire mes jeux. Je me donne une balle à dormir. Pour mal pour fiche. Moi, les soi-disant papa. Il va connaître de moi. C'est à le faire que je connais. Prêter. Pour le cas, elle prend fiche pour moi. Je vais le composer, c'est le même jour que je vais le composer. Premier jour d'examen, lui-même, calé. Je ne vais pas perdre l'examen. Là, aller dans l'école, là,
à 2000 dollars dans ton fils là pour moi. L'homme garde moi le vin à fils là. Tellement c'est une tellement dit mais c'est parce que me perdre examen. C'est prêter quoi là pour le café pour ton fils là pour moi. Et tout il lui dit c'est bâtilé. Depuis que je connais ma maman avec elle, je n'ai jamais entendu de nos bagages qui sont drôles. Depuis que je suis sortie, tout c'est dans la vie où on a toujours, je n'ai jamais entendu de ça. Depuis que je suis arrivée, tout ça avec Zamine, je n'ai toujours. Je n'ai jamais entendu de ça. Et puis, depuis que je suis déplacée, maman me toujours connaît. On sait le téléphone, il est ensemble avec maman. Le téléphone est toujours dans la même, le téléphone est connu même là. N'importe qui qui est là, c'est maman, c'est mon point d'appel là. Je n'ai jamais entendu de monde qui est là. Mon qui est là, c'est mon pour faire chevet. Parce que je ne connais pas ce qu'on a tapé. Le tuyau de ces bandits. Merci. Il dit ta veille, non, merci. Il dit non, Maril, pas bandit. Si Maril était dans la gang, c'est pas qu'on salta vive. Les handicapés. Adler prend avec des petites. C'est Adler qui était toute famille là. Comme si c'est déboual, commissaire Miskadin coupé. Li pa konnen comment li pral faire vivre. Bon. Est-ce que c'est un erreur commissaire Miskadin fait? Eh bien, après commissaire Miskadin fin fizier citoyen, en pile journaliste, blogueur, ça qui pa tremé commissaire Miskadin yo, eh bien yo lagé 100 000 alais dans Bastengal commissaire Miskadin. Pierre Espérance ton connaît qui pa remé forme tête commissaire Miskadin. Bien, il y a demandé pour révoquer le commissaire Miskadin. Bien, le commissaire Miskadin, pas quoi, il t'a exécuté, monsieur, sans le pas de joindre. Bon, j'en preuve que monsieur fait partie de tel gang. Bien, on finit d'entendre audio ça. Après ça, on va passer dans plus de détails. Monsieur pas innocent vraiment pour vous-même. Non, monsieur pas innocent. Parce que, quand on est perdu, il n'y a pas de monde là. Ok, c'est monsieur qui a traité avec famille, hein, pour comprendre de là, pour relâcher monsieur pour l'argent. Sauf que je connais déjà monsieur, monsieur, voyons, 25 000 dollars déjà. Et puis le dégât pour prendre le vin chercher 130 000 dollars. Pardon, 120 000 dollars, 150 000 dollars, et il aime 25 000 dollars, ça veut dire 5 000 dollars, monsieur, pour la famille. Oui, mon proche, mon patron, déjà, pour le manger, bah, monsieur, pour les équipes, monsieur, pour la main de gueule, et tout, pour le└                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            C'est qui laisse mon lié? Mon calier est Azor Mac Henry. Azor Mac Henry. Il porte pas rouge. Ok? C'est calier. Mais quand il y a un mal à un gazo, il y a eu un peu, par exemple, pour les dédés ou bien un moulin, pour un temps de là, mon capteur ou pas d'un qui est innocent, on se questionne pour eux. Je dis, monsieur, tu as habité les organes pour qu'il y ait les organes. Un. Je dis, pour qu'il y ait les organes. Je dis, pour qu'il y ait les organes. Deuxième bagaille. Je dis, pour qu'il y ait les enfants qui étaient. Tout le monde connaît les piliers comme je dis. Non. Pour qu'il y ait les bébés. Hein? Comment est-ce que tu as dit? Les piliers comme je dis. Les jouets, non, les piliers. Les piliers, ok. Ok, pour qu'il y ait les bébés comme je dis. Pour qui ça tout, non, qui soit de l'instance, qui fait classe, même qui fait classe avec le connel, et non, c'était Pierre Baptiste, il y a frère qui est le frère de Baptiste, il y a seul qui habite Gravine, qui est le rôle Baptiste. C'est un peu plus grave, c'est toujours des Gravines, jusqu'à présent. Exactement.
pour qui ça, qu'on y a, il fait passeport, pour qui ça, parce qu'on s'est ramollié à de l'air qui l'a. Vous pouvez poser question ça seulement sur les envois, Parce que vous ne pouvez pas parler de ces canapés, vous ne pouvez pas connaître vraiment. Pour qui c'est ça, comme ça? Mais est-ce que vous avez appris, monsieur, arrêté déjà? Non, je ne crois pas ça. Okay. Est-ce que madame monsieur a handicapé réellement? De? Madame monsieur, il y a monde qui fait connecter sur réseau, madame monsieur son monde handicapé. Est-ce que vous comprenez ça? Non, pas au courant de ça, ni tout pas connait madame. OK. Je comprends. Mais moun yo kidnappé hein, que monsieur était tab bay $150,000 pour lui, bay mission premier rançon qui était $25,000. Est-ce que moun ça c'est même famille avec Adler Amoulin hein? Ou bien Pierre Baptiste? Pas famille. Mais nous, ça, c'est six familles. Nous, ça, c'est six familles. Alors, parce que nous levons dans le même centre. C'est dans le centre que nous levons. Tout le monde y connaît très bien. Tout le monde y connaît très bien. Parce que c'est nous levons du même côté. Même ça, si il est vivant, ou est-ce que nous là? Si il est vivant, ou après ton question à elle, sous-dit le ramolinier, Adler, il va prendre. La prenez Pierre Baptiste là. Parce que c'est de levé à elle. On va parler de moun kidnappé. Exactement. Vraiment, c'est ça. Ok. Yeah. Bon. Ok. T'as changé. Monsieur te servi pour. Exactement. Mais moi, j'ai une contradiction par rapport avec déclaration famille et déclaration ensemble des moun dans canapé. Madame, monsieur. Bakadou, aïe, super. Ok, d'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Bakadou, aïe, super. Ok. Petit pied. Mais c'est après. Commissaire Muscadet fin exécuté, il pral tande non ça qui c'est Adler Ramolien alias Mauvaislet. Il dit non, il pas jamais connait non ça. Pour qui ça le changer non? Nous pas connait. C'est ça que me dit nous pas quoi? Commissaire Muscadet ta fisier misé sans pas joindre preuve. Pour qui ça l'autre démon yo? Commissaire Muscadet pas de physio. Li pas physio, non? Li mette yo nan dépôt. Et bien, mauvais lè, li voye la jeune baron. Nous s'entende. Comment le fait moui? Bien, pendant, famille moun yo kidnappé ya, a parlé avec mauvais lè, commissaire Muscadet te la. Mais commissaire Muscadet te gen bon jan, antenne sou misye, preuve sou misye, ke misye, bon, nous pas fouye bouche nan fè moun yo trop. Talè pou al di nde di. Bien c'est comme ça, misé al jeune baron. Met Caleb Jean-Baptiste mandé pour tout haïtien filé manchette yo. Depuis soldat dominicain pile soldat pour marcher point yo. Entendez? Met Caleb Jean-Baptiste kap mete koze a te. 6 octobre. Nou pral devant buni. A qui détruit mon capsule devant Buni, à quoi lieu de rassemblement là, et puis nous pral piquer nous devant CARICOM. 6 septembre, nous pral piquer nous devant CARICOM. 6 septembre, nous pral piquer nous devant CARICOM. 6 septembre, nous pral dire CARICOM, Haïti papou. Papou. Nous gagnons 3 dates. C'est 30,
National là qui là nous pas compte ça c'est pas sous compte ça et mais Gary Conny m'a demandé pour Dominique Kevin occuper nous est-ce que ça marche jamais ça va ça va marcher moi même m'a fait assassiner là nous pas mourir chaque Dominique nous croiser sous territoire vous êtes peut-être nous pourquoi ça va faire n'a pas arrêté pour n'a juger sous place papa nation Monsieur Dominique, nous allons occuper nous allons arrêter pour nous juger. Parce que Dessalines te dit le pape d'accord. Aucun blanc. Pour Gary Conny Tchoul, mandé pour Dominique. Et puis là-bas, c'est vous dire. Nous gagnons. C'est un gros sitting. Nous annoncer après date. Après 4 maman Pimbayo, après 3 maman Pimbayo, nous allons augmenter, nous allons faire un sitting, nous allons faire pour nous demander devant des CPJ. Pour nous aller devant le ministère de la Justice, pour nous demander d'arrêter Nenel. Au Sinel Michel, dit Nenel à tout le monde qui n'a pas de vie. Là, nous entendons M. Caleb Jean-Baptiste qui était à une conférence de presse jeudi. 26 septembre 2024 là. Il dit aucun soldat dominicain pas gain droit piler sol là pour rejoindre force multinationale là qui déjà sous sol là. C'est président Kenya William Ruto qui t'a affirmé nouvelle là que soldat dominicain yo a gagné pour débarquer dans la Coupe d'Haïti pour rejoindre force multinationale là. Pour venir contrecarrer avec Bandi, qui a fait la pluie et le beau temps dans la Coupe d'Haïti depuis des années. En tout cas, on ne va faire aucun commentaire sur la déclaration. Edgar Leblanc-Fils fait un discours jeudi à sous tribune Nations Unies. C'est un discours tête chargé en pile monde félicité. Ça tout gien pile monde qui critiquait Edgar. Critique l'en pral vini c'est parce que Edgar pendant la fête discours il était soif de l'eau. Il était metté un pot qui était gien de l'eau, il était soif. Il était metté pour en bouche lui pour être capable boire. C'est seulement erre ça. Qui donc était gien verre, il était capable mettre de l'eau en verre pour être boire. Ça arrivé c'est dans moment li pral man et membre la France. Et nous pral gade nan fin discours Edgar Leblanc-Fils, président Conseil présidentiel transition, monsieur fin crié émotion. Pour loué nan ki état pays lié, c'est blanc jevet qui mette pied sous cou la pays d'Haïti, qui fait pays d'Haïti pa ka ramasser escanfigil. Iwe, qui mise n'a passé à travers monde là, yo pa vle wè nou. Tout côté n'a passé, yo kouri derrière nous. Qui ça ne fait qui mal? Bien, Edgar Leblanc
pour demander la France l'argent yo doué pays d'Haïti a pour remettre li dette indépendance là faut qu'yo bail li mais c'est dans moment ça il pourra adresser avec président français Emmanuel Macron si les saltés prend une gorgée de l'eau pour être capable parler avec nèg yo m'pa pour qui ça toute critique ça yo au contraire on était supposé féliciter bat bravo pour Edgar Leblanc fils pour discours ça il pas gagné aucun papier qui était écrit devant il pas gagné computer il pas gagné iPad il pas gagné rien toute ça t'a dit yo c'est dans tête lui pour on est fait un gros discours comme ça et puis pour n'a critiquer et bon faut que ça t'est arrivé pour nous être capable de parler de Edgar c'est RL fait qui fait tout le monde a parlé de Edgar Leblanc comme ça mais pas ouais RL bad bravo c'est pas tout haïtien qui a bien cran pour faire discours ça c'est pas tout haïtien entendez Edgar Leblanc qui finit de crier dans fin discours. Je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe,
celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti, vive la coopération internationale. Demain, un autre pays, demain, un autre monde. Je vous remercie pour votre attention. Émotion cap dégage. Voilà, nous entendons Edgar Leblanc-Fils qui t'a demandé la France remettre l'argent au droit pays. Faut que nous baillons sans manquer un goud. Nous devons pile l'argent. En tout cas, nous disons merci à chaque monde qui te prend temps et patience qui t'a attendu et regardé vidéo aussi là. Nous disons que BFM, pas faibli, pas molli, pas oublié, abonner, commenter, partager et puis comme ça. N'a qu'à permettre un channel cause et peuple à pousser pour pédovent. Bye bye tout le monde. Ciao pour une autre vidéo. À la prochaine.